Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je me présente, c'est John Jones, l'agent spécial qui fait le bordel sur la map de Fortnite. Oui, j'ai quelque chose à vous dire alors. Bah récemment j'ai eu des problèmes avec le mode rediffusion d'Epic Games. Oui, Fortnite a désactivé le mode rediffusion dernièrement. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un film. Ce n'est pas la suite du dernier court-métrage, mais non, c'est encore mieux! Parce que c'est l'histoire de Midas et de sa femme. Certains ont peut-être déjà vu les morceaux de cet épisode, mais ce n'est pas grave, vous allez apprécier quand même. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos, mettez un pouce bleu, ça me ferait super plaisir, et code créateur Team WoW dans la boutique pour soutenir. C'est parti. Tu m'as tiré dessus. Ah, j'en reviens toujours pas. T'as osé me tirer dessus. Venez-y. Eh ben mon cher Midas, il serait peut-être temps de m'écouter maintenant si tu veux pas mourir. Bon alors écoute-moi très très attentivement. Soit tu me suis, soit on va tous mourir, alors arrêtons de nous battre. Et suis-moi Midas, viens avec moi. Rejoins-moi et aide-moi à sauver ce monde. Tu sais, je te rappelle que tu l'as aussi un peu bousillé ce monde, n'est-ce pas? Tu te souviens de tout le mal que tu as fait Midas? Alors viens avec moi, on va voyager dans le temps, je vais te montrer quelques trucs. Question, non. Ah. Et c'est ainsi que moi, Jonesy, je poussa à bout Midas, sans le vouloir. Pour une fois, je voulais bien faire, mais je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Où est-ce que je suis? Je suis où, là? Mais l'agence? Non, c'est pas possible, je ne peux pas. C'est impossible. Je ne peux pas être là. C'est un cauchemar, Il m'a renvoyé dans le temps. Jonesy! Quel coup tordu tu nous as encore préparé! Tout ça, c'est ta faute! Jonesy! Tout ce qui arrive est entièrement sa faute! Je reconnais plus rien. Quoique... Janice? Quelle est cette voix? Janice, tu m'entends? Mais non, ce n'est pas... Ce n'est pas possible, ce n'est pas... Ce n'est pas elle, Marie! Je reconnaîtrai cette voix entre mille, Marie! Marie! Marie, c'est toi? Il faudrait que tu me transfères le rapport de mission. Oui? Marie, tu m'entends? Réponds-moi, Marie, c'est... Non, je dois être en train de rêver, c'est pas possible, c'est l'agence, il y a tellement d'années, ça ressemblait à ça. Je me souviens maintenant. Marie! Réponds-moi, Marie, c'est moi! Oui. Marie, mais tu es morte. Bon, et tu diras à Brutus de se dépêcher de ramener ça. Donc, il a réussi. Janice, il faudra aussi le rapport top secret 142. Non, ton visage... Qu'est-ce qui arrive à ton visage? Tu me ressembles, c'est... Je me souviens plus, je perds la boule. Je deviens dingue. Attends, je t'imprime ça et... Marie! Janice? Marie, mais réponds-moi, fais pas comme si j'étais invisible! Sinon, on est mort. Au fait, vous avez des nouvelles de Midas? Mais... Ah, attends, j'ai un double appel. Je suis là! Oui, allô, toxique? Oui? Ouais. Ah, c'était il y a tellement longtemps, je... Ouais, c'est ça, ça peut se faire. Je regrette tant de choses, Marie. Si seulement tu pouvais me voir, ma tendre Marie... Tu as créé l'antidote demandé par le président? Je sais comment je vais faire, je sais. J'ai une idée, tu vas voir. Je peux déplacer les choses, hein. Je vais donc faire ça. Bon, je dois te laisser, toxique. Je suis sur les traces de Chaos. Je finis de torturer son homme demain et... j'arrive... Ah! Qui est là? Qui a fait ça? Tu me vois, Marie? Je sais que tu as vu ça! Montrez-vous, sinon je vous élimine! Je suis donc invisible? Montrez-vous, bon sang! Vous avez de la technologie d'invisibilité? Marie, mais c'est moi, Midas! Tu m'entends pas non plus? Montre-toi! Finis de jouer! Mais Marie, ma pauvre Marie, tu étais tellement belle. Je t'aime tellement, si tu savais, j'ai pris soin de notre fille. Je l'ai aimée autant que j'ai pu et malgré ça, elle était morte aussi. C'est quoi ce murmure? Je sens une présence. Ne joue pas avec moi! Marie! Mais Marie, c'est moi, Midas! Attends, arrête, calme-toi! Marie, arrête! Je sais même pas si je peux mourir, je comprends rien. Est-ce que je rêve? Est-ce que c'est une autre réalité? Je comprends pas! Ça me rend fou, j'ai envie de te prendre dans mes bras, Marie, Cette odeur, c'est... Midas!
mon amour, c'est... c'est toi ? Elle me sent, tu arrives à me sentir. Oui, c'est moi, c'est mon parfum que tu sens. Midas ! Je suis folle, je deviens folle, je te vois pas. Mais moi je te vois, mon amour. Je t'aime plus que tout au monde. Embrasse-moi, mon amour. Je t'aime. Non ! Non ! J'allais enfin pouvoir l'embrasser de nouveau, la prendre dans mes bras, mais que s'est-il passé ? Johnny, tu vas me le payer. Tu ne m'auras pas, c'est hors de question. Je vais t'éliminer, je te le dis. Alors viens ici, mon petit. Tout ce que je veux, c'est ma prime. Une fois que tu seras mort, tu pourras partir. Oh non, il n'y a plus d'issue, je peux plus m'échapper. Tu es cuit. Ah, je n'ai pas envie de me battre contre toi. Va-t'en, pars d'ici et j'oublierai tout. Je me suis assez battu, j'en ai vraiment marre. Mais je ne te laisse pas le choix. Viens là, le grand Midas va montrer ce qu'il sait faire, non ? Je te dis que non, je refuse de me battre, j'en ai assez. Mais c'est pas comme si je te laissais le choix. Non, 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 stop, ça suffit maintenant. Ça fait plusieurs saisons que je gaspille mes forces. À quel moment ? C'est mon problème. Non, je t'ai dit non. Il faudrait qu'on se batte contre Chaos. Et Johnny, il se sert de toi, il te manipule. Tu n'es qu'un pion pour lui, tu n'as pas compris. Le seul truc qu'il manipule, c'est l'argent qu'il ira sur mon compte en banque. Ne comprends-tu pas, je suis un chasseur de primes. Et toi, tu es ma nouvelle cible. Donc je vais te tuer. De toute façon, tu ne vaux rien. À mes yeux, tu n'es qu'un contrat. Oh, tu m'énerves. Je refuse de me battre contre toi, mais je crois que tu me laisses pas le choix. Je peux pas m'enfuir. Je vais te tuer. Tu ne m'auras pas. Lâche. Reviens ici, tu vas mourir de chute, imbécile. Je suis plus fort que tu ne le penses. Et là, mon gars, tu m'as énervé, je vais devoir t'éliminer. Tu ne me laisses pas le choix. Tu vas mourir. Où est-ce qu'il est passé? Il est où? Je ne le vois plus. Derrière toi. Tu es un minable. J'ai touché. Même pas capable d'anticiper les coups de ton adversaire. J'avoue que je suis déçu. Donne-moi tes armes tout de suite. Tiens, voilà mes armes. Merci bien. J'abandonne. Quelqu'un va venir te parler. Oh bah, le voilà. Je vais garder un peu mon énergie. Quelqu'un de très important va te parler. Il paraît que tu l'adores. Et après, peut-être que je te tuerai. Salut la compagnie! Je vous ai manqué? Hein, Midas, ça va? On a deux, trois choses à se dire, tous les deux, ne bougez pas. Sinon, je te tue, Midas. Je sais comment t'es très malin. Mais j'ai besoin de toi, j'arrête pas de te le dire. Ah, encore toi, Johnny, je le savais que c'était toi! T'as assez joué avec moi maintenant! Achevez-moi qu'on en finisse! Non, on va pas t'achever, Condor est à mes ordres. Je vous jure que tous les deux, vous allez me le payer, toute cette manipulation. Pourquoi toujours dans la haine, Midas? Tu vois bien que t'es en train d'énerver Condor, alors arrête immédiatement. J'ai un truc à te dire, et c'est très important. Tu dois nous aider. Tu n'as aucun honneur, Johnny. Tais-toi et écoute. Recule, ne t'approche pas, monstre. Obéis. Je te jure que si tu m'approches, je te tue. Et je te tue dans la seconde qui va suivre. Alors réfléchis-y à deux fois avant de m'attaquer. Mais non, il ne va pas te tuer, sauf si je lui en donne l'ordre. Alors maintenant, tu arrêtes, sinon Condor te tue tout de suite, ok? Exact. Oh, stop, stop, stop. J'ai dit que je ne veux pas me battre. Tu te fais manipuler par Johnny. Mais tu ne comprends vraiment rien, toi, à ce que je vois. Tout ce qui m'intéresse, c'est le contrat. Voyons, Midas, c'est un chasseur de primes. Tout ce qu'il veut, c'est de l'argent, alors ne bouge plus. Je vais l'empêcher de te tuer à une condition. Tu dois m'aider, j'ai besoin de toi, Midas. T'aider? Non, c'est hors de question. Tu ne comprends donc pas, Midas, on est foutu, sinon... Non, je ne t'aiderai pas. Tu rêves et du coup, je vais me débarrasser de vous deux. Subissez ma colère. Vous allez disparaître de ma vue tout de suite. Tirez-vous de là. Immédiatement, il y en a marre. Mais où est-il passé, Midas? Midas, on n'a pas fini de discuter tous les deux. Il est où? Je ne le vois pas et je ne le sens. Je l'entends, il est là. Oui, je suis là. Midas, non, arrête, arrête. Je vais éliminer ton sbire, Johnny.
Et ça va être ton tour. Tu vas regretter de m'avoir fait souffrir. Tu ne comprends pas. Tu dois jouer avec moi et ma femme. Tu vas donc le payer de ta vie. Tu ne comprends pas, je peux pas te tuer. C'est ça, fuis, sale lâche. À chaque fois que je tue, je deviens plus fort. Je vais te retrouver. Tu peux partir tant que tu veux avec tes petits portails dimensionnels. Pars tant que tu le veux. Tôt ou tard, Genesi, je te retrouverai. Ah. Me revoilà à l'époque normale. Bon, on va commencer par cela. Hey, vous deux, là! Quoi? C'est à nous qui parle, là? T'es qui, toi? Tu sors d'où? Ne bouge plus, sinon on te dégomme, t'as compris? Ouais, c'est à vous deux que je parle, les deux minables. Je sais que vous transportez des armes pour Genesi. Des minables? Nous, nos affaires ne te regardent pas. Reste en dehors de ça, tocard, et dégage. Vous n'êtes que deux pantins, moi, j'y suis pour rien. Allez, tirez-vous de mon chemin. Je saisis le camion et je vous épargnerai peut-être. Sauf si vous vous interposez, bien sûr. Alors dégagez de là tout de suite, et vite. Nous épargner. Tu bouges pas, sinon je te bute, t'as compris? T'es un comique, toi, dis donc. Bon, écoutez, j'ai pas envie de vous tuer, alors allez-vous-en. Et peut-être que je vous oublierai, sinon vous êtes mort. Bouge plus, sinon la prochaine balle qu'elle te met, c'est dans la tête. Attendez, je crois que vous avez... Ah! Allez, vas-y, pute! Ah! Heureusement que mes os sont en ordre. Fais-moi le malin, là. Sinon, vous m'auriez tué. Vous allez regretter. Je vous garantis que vous allez regretter. Ah! Je vais puiser dans mes forces pour vous anéantir. Je vous aurais prévenu. Ah! Me voilà. Qui a encore envie de me frapper? Allez, je me mets à genoux devant vous. Ah! Ça picote un peu, continuez. Alors, vous en avez marre? Je ne comprends pas. Il devrait déjà être mort. Comment ça se fait qu'il est encore en vie? C'est quoi ce mec? Je vais me débarrasser de vous. Vous allez disparaître. Ouh. Allez, ciao les deux guignols. Mais qu'est-ce que... Comment t'as fait ça? Et voilà le travail. Vous allez remplir mes forces à nouveau. Où suis-je? Je ne comprends pas. Je voyais Midas de base et pourtant... Ah! Je comprends rien. Pourquoi suis-je ici? Midas, je vais te retrouver. Il y a... comme une ambiance bizarre ici. Je vais faire un tour dans le coin. Qui êtes-vous? Moi? Mais tu te souviens pas de moi ou quoi? Ouais, le voyage dans le temps a dû te bloquer l'esprit. Moi, c'est Marigold, la femme de Midas. Ouais, je vois que tu te souviens pas de moi. C'est pas grave, c'est pas important. Ta fille est en vie, j'ai un accord à te proposer. Tirez pas! T'inquiète. Comment tu sais qui je suis? Je te connais très bien, ta fille est en vie. Et si tu veux que je te dise où, il faut qu'on se mette d'accord. Un accord, hein? Mouais. Ça marche. Dis-moi où elle est. Elle est vraiment en vie? Oh oui, elle est en vie. Je vais la trouver si elle est en vie. Mais ça marche pas si facilement, voyons. Il faut d'abord que tu fasses quelque chose pour moi et en échange, je te dirai où elle est. Ok. Je disais, si elle est vivante, je t'aiderai. Ouais, elle est vivante. Elle est au camp de la morue. On se reverra bientôt. Va la voir. Ce bruit! Ah! Je vais te manger! Va-t'en! Coucou, je panier, vilain chien! Allez, ouste! Ah! Sors de mon territoire! Tu es sur ma propriété! Ah! Tu me laisses pas le choix! Approche! Viens te battre, sale bête! Je vais te greffer, te crever les yeux, et ensuite, en plus de t'avoir tué, je toucherai ma prime! Ah! J'ai pas le temps!
Je suis pas la femme de Midas pour rien. Fais tes prières, t'es mort. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Dans le mille. Ha ha. Marie 1, loup-garou 0. Ce bruit. Je dois voir qui c'est. Encore touché. Des bruits de pas? C'est qui encore? On dirait... Midas? Non, c'est... Maman? Maman, c'est toi? Mais comment c'est possible? Tu es censée être morte. Oui, ma belle, c'est bien moi. J'ai cru t'avoir perdue à jamais. Mais tu es là. C'est un piège? Ou... c'est vraiment toi? Non, ce n'est pas un piège, Juju. Que... Comment peux-tu être en vie? Je t'avais vu, Julie. Je t'avais vu mourir. Oh, c'est une histoire compliquée. Je sais que je ne suis pas la vraie Julie. C'est Chaos qui m'a clonée. Mais c'est bien moi, maman. La vraie Julie. Midas aussi est là, maman. Je vais t'emmener le voir. Oui, je sais pour Midas. Je l'ai vu. On va aller le chercher. J'ai besoin de lui. On a un truc à faire. Ce Chaos, Juju, il est capable de quoi d'autre? Il est capable du pire! Ah, je vois, oui. On va aussi s'occuper de lui. Vu ce qu'il t'a fait, il va le payer de sa vie. Brutus est toujours en vie. Merci, Johnny. Brutus tellement intelligent. Mais oui, Brutus, tu es intelligent, ne t'inquiète pas. Il faut que tu élimines à tout prix ces deux femmes pour énerver Midas et qu'on l'ait dans la poche. Oui, patron Johnny. Grâce à vous, Brutus revenu. Je vais tous les tuer. Allô, Midas. Allô, Phineas. Réponds à ton téléphone. Il a perdu ton respect à ce que je vois. Ah! Ah! Cours! Juju! Cours! Julie! Maman! Ça vient d'où? Toi? Tu es censé être mort! Bonjour! Brutus! Tu devrais être mort! Ce n'est pas important! Cours! Non, maman! Je pars pas sans toi! C'est pas comme si t'avais le choix! Cours, Juju! J'arrive! Courez, petit lapin! Courez, Brutus est très 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 content de vous voir! On a toujours le choix, maman! Allez, courage! Lève-toi! Brutus content! Il court les petits lapins! Comment tu peux courir avec une balle? C'est une longue histoire. Mes os sont en or, comme Midas. Hein? La même malédiction? C'est pas normal. Non, ça l'est pas. Venir vous battre, vous! Vous allez payer cher ce qu'a fait Midas! Brutus! Arrête ça! Nous étions une famille autrefois! Brutus, plus souvenir! Brutus, cerveau compote! Je crois que je l'ai eu. Julie, viens, on va l'achever. Allez, Julie, vite! Dépêche-toi! Avant, on était une famille. Tant pis, on va tuer ce gros fumier. Brutus, arrivez! Brutus, vous tuez! Pan-pan! Il crève jamais ou quoi? Me mets à couvert! Faut que je recharge! Johnny aurait dû ressusciter mon cerveau! Tu perds rien pour attendre, Brutus! Plus bouger! Sinon, Brutus te transformer en passoire! Juju, c'est le moment là. C'est le moment de dire au revoir. Meurs.
pas mourir. Ouf, c'est pas trop tôt. Bah, je suis là. Impossible de manquer une cible aussi grosse. On fait quoi maintenant? Maintenant? Bah, tu m'emmènes voir Midas. Il est toujours aussi fou? Pire. Attends, faut que je pisse. Ça urge, vite. Insupportable, cette fille. Allez, grouille. Oui, c'est bon. Non, je peux jamais être tranquille, c'est... Non, Marie, c'est toi. Vite, Marie. J'arrive, Marie, bouge pas. Marie. Non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas être toi, Marie, tu... Marie et Julie, c'est... Non, la famille réunie au complet. Marie, comment est-ce possible? Marie, on a tellement de choses à se dire, toi et moi. Si c'est vraiment toi, laisse-moi te prendre dans mes bras, Marie. Marie! Oh, si vous saviez comme vous m'avez manqué. Vous m'avez tellement manqué, les filles. Oh, je regrette tout ce qui s'est passé. Je vous aime tant. Sauf que tout ça, c'était ta faute, Midas. Si tu ne t'étais pas entêté avec ton satané travail, on ne l'aurait pas perdu. Oui, je sais, je suis désolé. Toi et moi, on sait la vérité. Je sais, c'est bon. Ah, pas besoin de me le rappeler. J'en ai marre de vivre tout ça. J'en suis épuisé, ma pauvre Julie. Maintenant, occupe-toi de ta fille, Midas. Ouais, Midas, t'es claqué au sol. Vous me fatiguez, Marie et Julie, là. Ça suffit, j'ai assez souffert comme ça, j'en peux plus. Ok, c'est bon. Pardonne-moi. C'est dur d'être une mère. Maintenant, on va devoir monter une armée. Ouais, je sais, on va le faire payer l'autre. Mais bon, ça me fait pas peur. On se vengera de Jonesy. Bon, je m'en charge du recrutement, les vieux. Engueulez-vous bien. Mais elle est vraiment insolente, celle-là, c'est pas possible. Ah, quel pourri gâté! Parle pour toi, Midas. Quoi? Parle pour moi? C'est pas de ma faute. Allez, c'est bon, je m'en vais, vous me saoulez, là. Ciao! Bah quoi? J'ai rien dit? Y en a marre, hein. Midas ceci, Midas cela, Midas il faut que t'ailles chercher à bouffer, Midas t'as plein de thunes, il faut que t'achètes des trucs à tout le monde, et blablabla, et blablabla. C'est bon, vous mangerez le dîner, ce sera la pêche. Y en a marre, au moins ça c'est gratuit. Oh oh, non les gars, non, je deviens plus radin que Miaouz Clay. Est-ce que c'est vraiment possible de devenir plus radin que cette vieille boule de poils? Qu'est-ce qui peut me manquer? Lui... Les ombres, les fantômes, oh, quoique, les ombres, ils me manquent aussi. C'était la belle époque. Je regrette tant de choses. Si je pouvais, je remonterais le temps avec cette saleté de machine qui a pas marché! Bref, on se calme. Oh, y a rien de tel qu'un petit bain pour se détendre. Quoi, mais qu'est-ce que... Non, j'ai cru voir bouger dans l'océan. Ah! Un gros poisson! Non! Non, je vais encore me faire bouffer par Arcane. Non, pas comme dans le trailer, pitié. Non. Au secours, Julie, Marie, aidez-moi. Servez à quelque chose pour une fois. Ah. Non. Et dire que j'ai failli mourir, moi, Midas, mangé par un requin. Ah oui, la fille que vous voyez là. C'est simple, c'est Sky, une de mes nombreuses femmes. Ouais, pendant que j'y pense, j'en ai eu vraiment beaucoup des copines. Waouh, il faudrait peut-être que je me calme. Mais non, bon, attendez, bref, c'est pas grave. J'ai enfin retrouvé Marigold. Je vais en prendre soin. Je vais faire tout ce que je peux pour que elle et Julie soient heureuses. Donc, je vous retrouve très bientôt, moi, Midas le maudit, dans le prochain épisode. Si vous voulez me voir, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. C'est super important pour pas louper les vidéos. Et mettez un pouce bleu, ça me fait plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt.